Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je suis en train de personnaliser des bougies et pour offrir et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Donc je voulais vous montrer ça. C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas une pro et du coup voilà quoi. Donc j'ai décidé pour Noël de faire des bougies personnalisées pour les parents. Donc en fait, pour les grands-parents. Voilà. Et pour le neveu de mon mari qui a un enfant aussi, du coup, puisque j'ai sorti la photo pour les parents. Donc voilà. Donc mais je vous montre ce que ça donne. Donc celui-là est pour ma belle-mère. Donc en fait, c'est Théo. Voilà. Et ma fille quand Théo est né. J'ai décidé de partir sur les souvenirs. Voilà, j'avais pas envie de mettre plusieurs photos. J'avais envie de faire une photo des deux. Donc, c'est la plus jolie que j'ai trouvée. J'ai fait ça à l'arrache au dernier moment en plus. Donc, voilà. Et là, pour mes parents, mais c'est pas fini parce qu'après, je vais décorer. Voilà, donc j'ai trouvé cette photo donc, de ma nièce, ma petite nièce. Bon, elle a grandi un peu parce qu'elle est vieille, la photo de mon neveu, de ma filleule, de ma nièce, de ma fille et de Théo. Bon, je sais pas si vous le reconnaissez. Bon, bref. Voilà. Donc là, voilà, c'est collé. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, on va finir la bougie de mes beaux-parents. Parce que du coup, ils ont un autre petit-fils. Donc, je vais venir. Alors, par contre, il faut une imprimante pour le faire. Sinon, on ne peut pas le faire. Enfin, les tâches là que vous voyez, c'est mon imprimante. C'est du n'importe quoi. Bref. Donc, le but est de. Il vous faut du papier de soie que vous collez, vous placez sur une feuille pour passer à l'imprimante. Bon, moi j'ai pris le carton 210 grammes noir que j'ai, j'avais pas autre chose, et parce que mon imprimante est très très bizarre, donc les feuilles normales ne passaient pas, les feuilles en 160 grammes ne passaient pas, il n'y a que ceux-là qui sont passés. Donc le but est de venir recouvrir en fait la feuille de papier de soie, enfin, la feuille noire de papier de soie, voilà, pardon. Donc on pose la feuille noire sur le papier de soie et on vient rabattre, coller les bords, ou avec du scotch. Là j'ai fait avec de la colle parce que j'ai plus de scotch. On le passe à l'imprimante. Moi j'ai opté pour le noir et blanc parce que mon imprimante ne fait pas de belles photos couleurs, ben, surtout sur du papier comme ça. Après c'est au choix, voilà. Donc là, il va suffire que je vienne découper l'image que je veux. Donc je le laisse coller sur le carton pour que ce soit plus facile, bien sûr. Donc là, je vais venir découper autour du petit-fils. C'est le cousin de Théo, quoi, en fait. Donc là, c'est pareil, j'ai avec cette photo. Donc je me concentre, désolé, mais là j'ai pas envie de repasser une matinée avec mon imprimante et l'ordinateur parce que c'est juste pas possible. Donc là je suis près du bord parce qu'en fait le fond c'était dehors. Normalement c'est vert. Et non, mais vous pouvez, quand il n'y a pas d'image comme ça, que c'est que les portraits ou quoi, vous pouvez laisser un petit peu de marge ou mettre un entier. Moi c'est vraiment parce que c'est pas joli derrière. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, comme c'est pas très joli, il y a une bande noire là, c'est pas beau. En fait, j'ai piqué le calendrier de mes beaux-parents et j'ai piqué la photo dessus. Je viens couper et donc là on a l'image. Ça on peut le traiter.
Ensuite, il nous suffit de venir prendre du papier sulfurisé. De prendre la bougie qu'on veut décorer. Bon, donc là, je vais le mettre de l'autre côté, puisque là, il y a mes petits chéris. Hop. Je le place là. Je viens placer mon image comme je veux. Comme ça. Donc j'essaye d'être à peu près droite. Hein, du coup. Voilà. Et donc là, je viens recouvrir de papier sulfurisé. Alors, je prends un bout de scotch. Je viens le placer là. Et là, je viens tirer. Mais alors, j'ai l'impression que je ne suis pas très bien. Pas sur la photo déjà. Je vais le couper, ce sera plus facile. Là, je vais vérifier qu'il soit bien plaqué. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, alors je vais couper, parce que je vais couper le son. Je mettrai de la musique parce que ça va faire du bruit. On va prendre le sèche-cheveux. Et là, on va venir tout simplement faire fondre autour. Donc on va y aller.
Donc voilà, j'espère que vous avez vu le changement quand je passais le sèche-cheveux. Du coup, vous voyez, là, j'en ai profité pour refaire sur mes enfants parce que j'ai vu que c'était pas assez fait. Donc, normalement, si tout va bien, hop, ça devrait... J'aurais dû le laisser un peu plus. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Bon, là, vous voyez, j'aurais dû laisser le papier collé parce que du coup, ça fait un peu de cire. C'est pas grave, je vais le refaire. Et du coup, je laisserai le papier dessus pour que ça refroidisse. Donc, ben voilà. Là, je l'ai refait. Donc, du coup, ben, je vais laisser refroidir comme ça. Et puis, ben, je vais en faire une autre. Donc, je vais passer à ma soeur qui a 3 enfants. Donc, j'ai tiré une photo de chaque enfant. Là, j'ai eu de la chance parce que du coup, celle-là est très bien. Où ils sont, il y a les deux plus grands et la petite. Donc, du coup, bah, pareil, je vais faire pareil. Donc, en fait, moi, j'ai acheté les bougies à Action. Voilà. Donc, je vais faire avant ma bande. Je prends à peu près la longueur du, celle à la hauteur de la bougie. Et ça, c'est facile. Là, bien fait. Je viens voir à peu près. Je le fais maintenant, c'est plus facile parce qu'après, ça y a les côtés. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir découper pareil, donc les photos autour de la photo. Ben, vous voyez là, pareil, hein, j'ai mis le papier de soie, j'ai imprimé. Donc, on y va. Alors là, je veux ma nièce, donc. Pareil, comme c'est une image où il y a le fond. Bon, après, derrière, c'est son père, mais je voudrais que ce soit que ma nièce qui ressorte. Donc, je découpe autour. Ensuite, donc ça, là je vais découper ma nièce et mon neveu. Donc pareil, je viens découper. J'allais pas lui couper le bras puisqu'elle a le bras tendu. Il faut que je le mette parce que là pour le coup je vois pas le bras, c'est trop noir. Oui, parce que derrière c'est quelqu'un d'autre. Parce que je trouvais qu'elle avait un grand bras du coup. Et là. Donc, voilà. Et donc, mon neveu. Pareil, on découpe autour.
Alors ça, je trouve que c'est super pour faire des cadeaux personnalisés pour les grands-parents et tout. Je trouve que c'est une bonne idée. Ou même, vous savez, les nounous, tout ça, quand elles cherchent des idées pour faire des cadeaux aux enfants, pour les parents et tout, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que c'est quand même original. Bon, après, je pense que c'est quand même mieux qu'on ait une bonne imprimante et tout. Qu'on est bien équipé, parce que moi, j'ai galéré quand même pour imprimer. Et voilà. D'ailleurs, ça fait des formes après. Donc, hop, on va se replacer. Alors. Je regarde ce que ça fait d'abord. Est-ce que j'aurai la place parce que ma soeur adore le bureau et j'ai piqué une serviette l'autre jour. Alors, voyons ça. Donc là, je suis en train de placer les images comme il faut, bien plaquer dessus. Je prends un de mes scotch. Voilà. Ah ben oui, c'est que ça tient. Hein. Oula, mais attendez. Non, je vais faire ça aussi. Je vais venir coller en même temps la serviette. Donc je découpe autour. Bon, après, c'est pas grave si c'est pas bien. Puisque de toute façon, ça va être absorbé. Là, ce serait bien là. Ouais, allez. Bon, je redéfais ça. Et là, j'ai dit que je venais le mettre ici. Je le lisse bien comme il faut. Là. J'espère que ça va pas trop bouger. Non, c'est bon. Et donc, pareil, et bien là, je vais venir passer le sèche-cheveux. Et donc je vais couper et puis je vais le filmer.
Je vais laisser reposer maintenant. Vous voyez, ça change de par transparence. Donc je laisse reposer, je touche pas. On va regarder la première, ce que ça a donné. Et voilà. Là, j'ai prévu d'écrire des petits textes, pareil, sur du papier de soie. Ça marche aussi avec les serviettes en papier, sauf qu'avec les serviettes en papier, on peut... Il y a au moins un an, oui, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais vu qu'elle pouvait le faire aussi avec une cuillère à soupe qui est chauffée sous une bougie. Il y en a qui le font en fer à repasser aussi. Ça va beaucoup plus vite qu'au sèche-cheveux parce que là, j'ai mis 6 minutes pour faire la bougie. Là. Voilà. Il n'y a plus qu'à la décorer après. Je pense qu'avec une éponge, je viendrai tapoter un peu. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça. Je vais d'abord faire toutes mes bougies. Puis voilà, la déco, je ne sais pas. On verra. Donc, ça c'est là. Ça refroidit. Maintenant, je vais faire celle pour ma belle-sœur. Donc, pareil, toujours pareil, puisque c'est son petit-fils. Donc, voilà. Je vais le faire hors caméra parce que je pense que de toute façon c'est le même principe. Je sais pas si on va se retrouver pour la déco. Je sais pas, je verrai. Sinon, je pense que je vous le présenterai en même temps que les savons et tout quand tout est fini. De toute façon, la déco, c'est pas bien compliqué. Il n'y aura pas 50 000 trucs sur la déco, là. C'est des bougies, donc voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc, voilà. Je vais laisser reposer maintenant. Vous voyez, ça change de par transparence. Donc, je laisse reposer. Je ne touche pas. On va regarder la première, ce que ça a donné. Et voilà. Là, j'ai prévu d'écrire des petits textes, pareil, sur du papier de soie. Ça marche aussi avec les serviettes en papier, sauf qu'avec les serviettes en papier, on peut... Il y a au moins un an, oui, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais vu qu'elle pouvait le faire aussi avec une cuillère à soupe qui est chauffée sous une bougie. Il y en a qui le font en fer à repasser aussi. Ça va beaucoup plus vite qu'au sèche-cheveux parce que là, j'ai mis 6 minutes pour faire la bougie. Là. Voilà. Il n'y a plus qu'à la décorer après. Je pense qu'avec une éponge, je viendrai tapoter un peu... Je ne sais pas trop comment je vais faire ça. Je vais d'abord faire toutes mes bougies. Puis voilà, la déco, je ne sais pas. On verra. Donc, ça c'est là. Ça refroidit. Maintenant, je vais faire celle pour ma belle-sœur. Donc, pareil, toujours pareil, puisque c'est son petit-fils. Donc, voilà. Je vais le faire hors caméra parce que je pense que de toute façon c'est le même principe. Je sais pas si on va se retrouver pour la déco. Je sais pas, je verrai. Sinon, je pense que je vous le présenterai en même temps que les savons et tout quand tout est fini. De toute façon, la déco, c'est pas bien compliqué. Il n'y aura pas 50 000 trucs sur la déco, là. C'est des bougies, donc voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.